flux vidéo sont compressés. D'un même plan, on n'enregistre qu'une image de référence. Les suivantes en sont déduites par transformations successives. Ces transformations se révèlent lorsqu'une image de référence est perdue. Les quelques images suivantes transparaissent seulement par les changements qu'elles introduisent. Cette corruption peut être volontaire et s'inscrire dans une recherche esthétique. Ces transformations reposent majoritairement sur le mouvement apparent des pixels de l'image, ce que l'on nomme le flux optique. Il s'agit d'un champ de vitesse défini en chaque pixel comme solution à la contrainte d'intensité constante. Toute variation d'intensité s'explique uniquement par un déplacement. Pour chaque pixel de l'image courante, le vecteur de flux détermine la position dans l'image suivante. Reconstruire ainsi l'image entière pose un problème et deux questions. Déjà, le déplacement minimal doit être d'un pixel, ce qui introduit un crénelage temporel. En outre, que mettre à la place d'un pixel vacant? Et qu'afficher lorsque plusieurs pixels se rencontrent? La solution naïve consiste à garder une copie du pixel en place avant son départ et à donner la priorité au dernier pixel arrivé. Une autre solution consiste à gérer des empilements de pixels avec différents modes de composition, typiquement une pile peut être la moyenne de ces pixels. Malheureusement, cette technique présente une complexité algorithmique démesurée, ce qui en limite la maniabilité. Heureusement, une astuce permet de résoudre ces trois points. En inversant le temps, le flux optique ne détermine plus la destination mais l'origine des pixels de l'image. Tous les pixels sont atteints, les flux sont sommables et gardent une précision flottante. Les flux sont cumulés dans une matrice représentant la position des pixels afin de pouvoir appliquer toutes les transformations d'une même passe tant à une image fixe qu'à une séquence. Thank you.
mémoriser les décalages permet aussi d'influer sur l'état de l'effet au cours du temps. En appliquant une décroissance résiduelle, on permet à l'image de se résorber progressivement. L'amplitude du flux peut être suivie par une carte d'intensité, qui peut être exploitée pour n'incruster que les parties mobiles ou statiques d'une séquence. L'application d'un masque permet de contrôler l'amplitude du flux ou de la réintroduction des pixels pour certaines parties de l'image. Le programme que j'ai développé pour produire les séquences de cette vidéo est disponible sur GitHub avec toute la documentation si vous voulez essayer. Il en existe une version web fonctionnant en temps réel grâce au GPU pour des expérimentations ou des applications in situ.